danas možemo ovdje pozdraviti i imati jedan dijalog s njime. Prijevod će biti kao i uvijek profesorica doktorica Ingrid Šapranić. A također zamolila bih gospodina Nevena Šimca, također dugogodišnjeg prijatelja kuće, da nešto kaže o našem gostu koji nama svima zna, ali ipak da kažemo par rečenica. Hvala. Dakle, prije nešto više od 14 godina, a ovo govorim samo za ovdje koji su neću reći mlađe od 14 godina, je bio jesenske kiše na večeri, Hrvati su demonstrirali u Parizu, da od 3. četvrti već put, i po prvi put je došao i da je prozor koji se priključi. Došao sam suprotno i sa sinom, mladim, koji je na 4 godina. To je bilo ono 3%. I na tom demonstracijama po prvi put nisu Hrvati bili sami, bili su Hrvati i njih integral. I ono je zavrdao interes našeg gosta za problemi tog malog naroda koji tražuje svoju slobodu i samostalnost. I više na prvom je ova knjiga proglasila i kako je to uopće moguće biti Hrvat. Parafra za pokutu. Naslova koji svi znate. I od toga je počeo ono da je živio i da živio i da živa zauzetost za pravedni dio stvari hrvatskog gleda. S nama je pitanje od toga da bi ostalo. Preko velike demonstracije u Maastrichtu, da je veliki posjeta Hrvatskoj, bojišnica, životni vrlo nekakvi čak i opasnosti, susreta s hrvatskim državnicima, s našim predsjednikom, s kojim je vrlo otvoreno i vrlo kritički govorio, što se posebno iskazalo nakon velikog susreta koji je bio u Hrvatskoj, kad je dan nakon većinu Vahvićinu, vrlo otvoreno o tome govorio pred hrvatskim predsjednikom na hvali. Kako toga se došlo do osnovanja koji je toga Vukova Sarajeva, da smo zajedno pokrenuli personalističkoj smotnje Split. I to je interes nije nikada slabio. Za Alana Fidenkanta pravedna stvar nije bila voda. I kako znate, postoji jedan narod koji je propatio mnogo zbog svoga identiteta, ali je sin tada roda, i taj narod je znao zbog ustanoviti odličje priznanje pravednika među narodima. Ili mi dobro kad je Hrvati imali jedno takvo odličje. To mislim da bi znali jedno takvo odličje da mogu da djeli. Eto, sam čao mi prije na tom. L'Amérique
što svi znamo, Amerika je u stvari tvorevina tvorba Europe. Ona je njezina emanacija, kako politička, tako civilizacijska. L'Amérique, après tout, est une terre d'immigration. Les gens qui s'y sont installés jusqu'à l'époque récente ont quitté l'Europe, venaient d'Europe, et ils l'ont quitté soit parce qu'elle ne voulait plus d'eux, soit parce qu'ils ne voulaient plus d'elle. Kako je nastala Amerika, taj kontinuitet između Amerike i Evrope nije očigledan. Naravno da je Amerika nastala na bazi iseljeništva iz Evrope, dakle na jakoj emigraciji evropskoj. Ljudi koji su odilazili iz Evrope, bilo zato što Evropa njih više nije htjela, bilo zato što oni više nisu htjeli Evropu. Le schisme est récent, mais différent, le contentieux est de naissance, est originaire. Tout le 19e siècle en est marqué. Je donnerai deux exemples qui sont bien importants. Baudelaire et Hemingway. Cijelo 19. stoljeće je obilježeno tim razlikama, dati ću samo dva primjera, dva osobna imena, Charlesa Baudelaire i Henrija Jamesa. Avec Baudelaire commence, si vous voulez, la carrière de ce qu'on peut appeler le premier anti-américanisme moderne. Samo vjerujem da tako kažem, počinje, otvara se sudbine i karijera evropskog anti-amerikanizma. Baudelaire, comme vous le savez, avait une admiration éperdue pour Edgar Poe, ce poète mort dans la misère et dans l'oubli en Amérique. Charles Baudelaire je imao divljenje bezgranično za pjesnika Alberta Rapoa, koji je umro sam napušten i siromašan upravo u Americi. Baudelaire ne pardonnait pas à l'Amérique le traitement cruel qu'elle avait infligé à son grand poète, et il y voyait le symptôme de la médiocrité. Américaine. L'Amérique, disait Baudelaire, est une terre de nivellement. I Baudelaire je vrlo kritički rekao da je Amerika zemlja osrednjosti, džetrudija osrednjost i da je to zemlja u kojoj se sve velike vrijednosti, uopće sve vrijednosti poravnavaju, nivelliraju u povijesnoj crti. Ce que le premier anti-américanisme européen reprochait à l'Amérique, c'était son caractère exclusivement démocratique. L'Amérique, démocratie sans garde-fou, démocratie sans ancien régime, démocratie qui ne laissait aucune place à quelque aristocratie que ce soit, et notamment à l'aristocratie des hommes. Upravo njezinu isključivu apsolutno demokratičnost, u kojoj nije bilo mjesta ni za kakve velikane, niti duha, niti podrijetla, i u tom sveopćem poravnavanju vrijednosti su se upravo ti velikani izgubili. Henry James, écrivain américain, qui a passé une grande partie de sa vie en Europe, en France, notamment et surtout en Angleterre, a fait de cette divergence l'un de ses thèmes principaux.
Henry James, veliki američki romanopisac koji je veliki dio svog života proveo u Evropi, u Francuskoj, ali poglavito u Engleskoj, je upravo od te divergencije između Amerike i Evrope napravio jedno temeljni predmet svoga opisa. Il y a une nouvelle de Henry James qui, je crois, est peu connue, qui est extraordinaire, qui s'appelle « Le point de vue ». C'est un échange de lettres, plusieurs personnages, et chacune de ces lettres reflète un point de vue particulier sur les rapports Europe-Amérique. Imate njegova slavo poznata ali sjajna novela koja se zove Gledište, tekstovarna novela koja se sastoji od niza pisama koje veći broj likova međusobno izmjenjuje, a u svakom pismu sjećava se nam posebni vid razlike između Evrope i Amerike, jedno posebno gledanje na taj isti problem. E, je voudrais mettre en souligner, mettre en exergue l'une de ces lettres, un homme qui revient vers les États-Unis d'un voyage en Europe et qui dit sa fierté d'être américain et son aversion pour les traditions dans lesquelles l'Europe, à ses yeux, restait enfermée. Poglavito bih naglasio jednu novelu, odnosno jednu pismu u toj noveli, u kojoj glavni lik, putnik povratnik iz Sjedinjenih Država, dolazi u Evropu, ponosan na to što je Amerikanac i predbacuje Evropi, što više izražava svoju istinsku averziju prema Evropi, upravo zbog njene odanosti tradiciji, što on je odobrao. L'Europe, il la résume par un protocole écrasant des bombes ridicules et des rivalités nationales étroites et qui ne peuvent mener qu'à la guerre. Što on još predbacio u profesiju? Evropi i njegovim pompozni, smiješni, staromodni, napuhani ritual. Dakle, tradiciju koja je postala vlasnika karikatura, što više veliko rivalstvo između pojedinih nacija, koje je toliko zaoštreno da ne može nego dovesti prije i poslije do rata. L'Amérique, en revanche, c'est une société affranchie de toutes ces pesanteurs du passé et qui est capable de se concentrer sur la seule question politique qui vaille, la question sociale. A što se dešava paralelno u Americi? Amerika je oslobođena upravo svih tih teških, pompoznih pritisaka tradicije, glomazne koja ju stišće, a Amerika je druga strana sposobna upravo da se koncentrira, da se fokusira na jedino važno prvorazredno pitanje, političko pitanje, a to je socijalno pitanje. Ce que l'Amérique reprochait à l'Europe alors, c'était son traditionnalisme, son incapacité à passer d'une société reposant sur le principe hiérarchique à une société reposant une fois pour toutes sur le principe égalitaire. Što još Amerika predbacuje Evropi? Predbacuje, dakle, njezine tradicije na ljudi, kao što sam rekao, ali prije svega nemoć da iziđe i da nadiđe društvo hijerarhije, da ga se oslobodi i da ustavi društvo bez hijerarhije, dakle, horizontalno društvo pravde i jednakosti. Ce qu'on reprochait à l'Amérique en Europe, c'était son caractère hyper démocratique et la médiocrité qui était la rançon inévitable de
cette hyper-démocratie. Acheter une grande crâne Europe, entre patrie Amérique, qui va être patrie ou prévente à l'hyper-démocratie caractère de l'Occident de l'Industrie, et tu es nécessairement possible d'aider les colonnes à Francia et à tout populisme démocratique en Sénat. Cet anti-américanisme, là, a tenu le haut du pavé jusque la moitié, la première moitié, jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. Et anti-américanisme en Europe est le premier, c'est-à-dire le plus dominant, c'est-à-dire le plus premier colonne du XXe siècle. Je pense à moi, à le voyage de l'année de Céline et aussi à un essai de Georges Duhamel, s'inquiétant, par exemple, du rôle que en Amérique jouait le cinéma, ce divertissement. Disait-il, ce divertissement d'idiote, je ne sais pas comment vous dites d'idiote, mais ce divertissement d'imbéciles. Nardo Grigla, Bruno Brigueret, Ingenuity, lui a detto una serina, autora romana che mi trova sempre vedere tutto l'anno, Nacra e Noci, in quel numero di Gianni Prema. Americi e di Amero Roman, coi in analfabeti, u kojem se predbacuje recimo uloga masovne zabave, uloga kina u Americi i on kino dijamenti meni zove zabavom za idiote. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de contresens. L'anti-américanisme en Europe est très fort, presque omniprésent, mais c'est un autre anti-américanisme. Ali ipak da se dobro razumijemo, taj anti-amerikanizam povijesni o kojem sam govorio, traje i danas, međutim danas je anti-amerikanizam posvuda u Evropi prisutan, on je možda jači nego ikada, ali je naglašava drugačije prirode, drugačijeg karaktera. Ce qui est critiqué, ce n'est plus l'hyper-démocratisme d'une société, c'est l'hyperpuissance d'un empire. Ono što se danas kritizira nije samo hiperdemokratičnost jednog društva, nego je velika snaga jednog carstva. Prevelika snaga, dakle hiperbolička snaga, hiper snaga jednog carstva. Le tournant a été pris, je crois, au moment de la guerre froide. Pour beaucoup d'intellectuels européens, la démocratie véritable était du côté du communisme et l'impérialisme, donc antidémocratique, du côté américain. Quand se dessine cet exemple, parmi ceux se dessine Gabriel Carlo Garata. Ne, naravno, danas i sutra, ali za evropske intelektualce je počelo izgledati da se izvijesta demokracija, demokratičnost nalazi u komunističkom bloku, a da u Americi se ne može više govoriti o demokratičnosti i da je u biti ona mjesto antikomunizma, dakle antidemokracije. Même si, après 1956, le communisme a commencé de perdre tout crédit, l'anti-américanisme du deuxième type s'est renforcé notamment du fait de la guerre au Vietnam et aussi du coup d'État chinois qui a vu le renversement d'un gouvernement démocratiquement élu par une junte militaire appuyée par les Américains. I možemo čak lokalizirati taj zaokret koji je trajao, kao što sam rekao, do prve polovice 20. stoljeća,
negdje do 1956. kad komunizam naglo počinje gubiti kredibilnost, dakle uvjerljivost i legitimnost, ali antiamerikanizam traje i dalje, što više jače, dakle antiamerikanizam drugoga tipa, zbog rata u Vijetnamu, s jedne strane sigurno, a drugo, na primjer, u državnom udjelu u Kini, kad je demokratsko odabrano vlast, svrgava vojna puta podržana Amerikancima. Cet anti-américanisme du deuxième type a pris entre les attentats du 11 septembre et l'occupation américaine de l'Irak une ampleur sans précédent. I taj anti-amerikanizam drugoga tipa, o kojem govorimo, je nakon atentata od 11. rujna 2002. i okupacije Iraka dobio neviđen i nesličan zamah. Je parle pour la France, mais je crois que c'est aussi le cas de la très grande majorité des opinions dans les pays européens. Govorim naravno prije svega sa gledišta Francuske, ali mislim da je to dosta reprezentativno i za većinu zemalja u Europi. Or, il y a là une première difficulté. La politique américaine est depuis longtemps, a depuis longtemps, si vous voulez, est partagée entre deux axes, deux possibilités. Les uns se veulent réalistes dans la tradition de Theodore Roosevelt, les autres se veulent idéalistes dans la tradition de Wilson, de Woodrow Wilson. Međutim, kad mi tako razmišljamo, već ne razmišljamo odmah na prvu poteškoću, a to je da je američka politika već dugo vremena i sama podijeljena između dvije osobine, između dva tipa razmišljenja, između dvije mogućnosti, jedno bi nazvao realističko na tragu Rooseveltovom, a drugo idealističko, Theodora Roosevelta, a drugo na tragu Wilsona idealističkim. Kissinger était un représentant de l'école réaliste, il pensait qu'il était devoir de l'Amérique de faire alliance avec des régimes dictatoriaux pourris dès lors que cela pouvait faire échec au communisme. Kissinger je predstavnik te realističke škole, on mislio da su mogući staviti alijansu sa režimom antidemokratskim ako oni služe rušenju komunizma. Or, aujourd'hui, l'école réaliste a été battue. On peut dire que un virage s'est amorcé avec Reagan et son combat contre l'Empire du Mal. Danas je ova realistička škola potučena. Zaokret je nastao u doba Reagana sa njegovom osvještenom borbom protiv zla. I nema konservateur ki domine dans l'administration Bush sont précisément des anti-réalistes. Ils veulent se démarquer de Kissinger et assigner pour finalité à la politique américaine la propagation de la liberté et de la démocratie. Neokonzervativci koji danas dominiraju u Bushovoj administraciji su nakon bivši antirealisti, dakle anti-Kissingerovske orientacije, koji žele širenje svoboda. En disant cela, je ne fais pas le éloge. L'idéalisme peut avoir des conséquences catastrophiques, dévastatrices. Mais je constate qu'il y a comme une sorte de décalage entre les mobiles de la politique américaine et la
critique qui en est faite en Europe. En Europe, on dit l'Empire veut imposer sa loi partout et les Américains disent nous voulons répandre la démocratie partout. Dalje kontrola da je hvali idealizam i svi znamo da idealizam može imati katastrofalnih posljedica. Međutim, htio bih ukazati na nešto drugo. Postoji jedna razlika, jedan racije između američke politike aktualne, kako ona sebi vidi i svoj motiva i onako kako se mi tumači u Evropi. Američka administracija i politika uglavnom sebe vide kao širenje demokracije, dakle sve svoje akcije i kao ove najbolje nasilnije vidi kao širenje demokracije u svijetu, međutim u Evropi se to iščitava kao znak očiste gole moći. Il me semble que l'opinion européenne a résolu cette difficulté, cette contradiction, en mettant sur le même plan le djihad de Ben Laden ou de Zarqawi et la croisade de l'administration Bush. Djihad, croisade de fondamentalisme symétrique, dit-on, depuis le 11 septembre. Razliku, motivima tu razliku u slici koju Amerika sebi i koju Evropa doživljava drugačije, time da je to istovjetila i stavila apsolutno na istu razinu dvije stvari, džihad Ben Ladena i križanski rat Busha, gdje se dva fundamentalizma u biti izjednačili. Ainsi, l'anti-américanisme du deuxième type pouvait-il poursuivre sa carrière, et en effet, ce n'était plus du tout le trop de démocratie qui était reproché à l'Amérique, mais en réalité, une sorte de violence ou une spontanéité pré-démocratique, à la différence des démocraties européennes, notamment de la France, vraiment laïque, vraiment séculière, l'Amérique, en retard, restait un pays encore religieux, la preuve, le dollar, une bonne trust. Dakle, anti-amerikanizam drugoga tipa se može i dalje nastaviti i on se nastavlja. Međutim, ono što se njemu osuđuje danas, to nije više višak demokracije koji bi se predbacilo u Americi, nego nasilje. I to iznos nasilja diljem svijeta i jedna, rekao bih, još preddemokratična spontanost. Dakle, to ponašanje povijesno, regresivno, preddemokratičko, što Francusko, naravno, kao laičkoj zemlji osvjedočene demokracije smeta. Iščitava se da sve dvije države zapravo kasne u svom razvoju zbog svoje sklonosti religioznoj, zbog svoje sklonosti jednoznačnom i jednoumnom. Vous voyez que nous sommes à fond inversé par rapport à premier anti-américanisme, puisque jadis la vieille Europe se confrontait au nouveau continent, et aujourd'hui, face à la croisade, c'est l'Europe qui incarne la modernité, la nouveauté démocratique, contre l'archaïsme américain. Vidite da je došlo do potpune zamjene teza i uloga. Nekoć je stara Evropa bila konfrontirana sa novim kontinentom, sa novom i mladom demokracijom, u čije mjesto bilo u Americi. Danas je potpuno došlo do rotacije, do zamjene uloga, jer ono što se predbacuje Americi, to je upravo taj njen arhaički karakter križanskog pohoda, koji je preddemokratičan, predliberalan, dok su protagonisti slobode
Ce reproche ne tient pas, il n'est pas fondé, et pour deux raisons. D'abord, la croisade américaine vise à instaurer la liberté, donc la liberté de conscience, donc la laïcité. Mais je ne sais pas si tout le bâtiment n'est pas une histoire. Il est paradoxal. Je veux dire, 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 je Et d'autre part, toutes les nations européennes, quand elles ont voulu penser leur rôle pour le monde, leur rapport à l'humanité, l'ont fait sur le modèle biblique de la mission, voire de l'élection, pour le bien parfois et parfois pour le mieux. S druge strane, sve evropske nacije, kad hoće promisliti svoj odnos prema svijetu, oni ga još uvijek čine po modelu misije, dakle po biblijskom modelu misije i ideala. Pa pa i u dobru, što se kaže, i u zlu. De novo, il est dernier exemple en date. Ouvrez les mémoires de guerre. Première Je me suis toujours fait une certaine idée de la France qui me paraissait telle la Madone aux fresques des murs. Et positivement, c'est ça, mon chalant de Bola et Niego di Grappi, qui est noire. Pour le problème, c'est pour la recente. Un exemple de Michel Francisco, une amie de la Madone, au foyer, il y a pris une fresque aux Icaris, Et c'est cette idée théologico-politique. Qui a sans doute rendu possible l'appel du 18 juin. Mais je veux continuer dans justement cette exploration du schisme. La situation actuelle se caractérise par. Nous sommes entre l'anti-américanisme majoritaire dans l'opinion et la rhétorique des gouvernements. Nel budžetu se vratimo te miskinu, dakle rasije pa na zapadu o kojem govorimo. Danas bismo reći da došli do neke osmoze između većinskog anti-amerikanizma koji vlada u većem, najvećem broju subjekata i retorike njihovih vlada. Hier, a Madrid, il y avait un meeting tout à fait étonnant pour le traité de constitution européenne qui réunissait le chef du gouvernement espagnol, M. Zapatero, et le président français Chirac, alors que, vous le savez sans doute, Zapatero est socialiste et Chirac est élu par une majorité, disons, de droite. Eto, jučer, na primjer u Madridu, bio jedan apsolutno začudan skup, začudan mitik, gdje se govorilo o Europskom ustavu i gdje su se zajedno našli na istoj strani ministar premijer Zapatero, španjolski, i Chirac, s tim da je Zapatero izglasan od socijalista, on je socijalist, a kao što znate, gospodin Chirac uglavnom slovi kao desničar, protagonist desne opcije. Zapatero a félicité Chirac pour son attitude tout au long de la guerre en Irak. Et donc, il a fait de lui le porte-parole d'une Europe révolté par l'Amérique. Et cela par-delà les clivages entre la droite et la gauche. L'anti-américanisme surmonte ces clivages. Le fléchisme ne passe plus entre la droite et la gauche en Europe, mais entre l'Europe unie et l'Amérique impériale. Et d'ailleurs,
baš Iraku na njegovom držanju stavu prema ratu i Iraku. I učinio je Širaka glasnom govornikom te demokratske Evrope koja nije podržala Bushovu administraciju. I mogli smo prisustvovati zato je taj medij bio začudan, kako mogli smo vidjeti kako je taj antiamerikanizam prevladao stalnu i stalinsku podjelu, onu bivšu skinsku, bivši rasip na lijeve i desne, nego on pre toga rasipa spojio je Evropu i jednu desnu bilo kakvu protiv Amerike, Piranske i hegemoniske. I Chirac, en effet, est le porte-parole le plus articulé d'une alternative, une vision du monde opposée à la vision américaine. L'Amérique, c'est un monde unipolaire, la France et l'Europe. I ja dobro mislim da je Širak glasnogovornik možda najbolje ovoga časa artikulira jedne alternative, alternativnog vidjenja svijeta koji se suprotstavlja ovom monopolarnom, dakle jednoznačnom američkom. Tako da isto da je Amerika sada upravo da je jednopolarni svijet, a Evropa multipolarni, dakle Evropa koja, Evropa budućnosti koja će biti multipolarna za razliku od Amerike. Le monde multipolaire a été ainsi défini par Dominique de Villepin lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères du gouvernement français. Je lis la citation. Taj termin multipolarnog svijeta je lansirao Dominique de Villepin, ministar francuski, sad ću vam pročitati ovaj citat na koji mislim. Pour être stable, le monde nouveau doit s'appuyer sur différents pôles organisés pour faire face aux menaces actuelles. Ces pôles ne devront pas être rivaux mais complémentaires. Ils sont les piliers sur lesquels nous devons construire une communauté internationale solidaire et unie face au nouveau